السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول فلو تو الموند، بونجور تو الموند، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم كوم برومي قلت لكم لاندي اون فايسي دو فيغ اون بتيت انترفونسيون كسا سوا كون سوا ديسو او با. دونك خوتي لا بروميير مانش دونك لالي ا واغادوغو فيكتوار دو بوركينا فاسو 3-2. نبدا باش ما نكون ميثوديك، دونك باش سي بور سا كو موا جو باسيونت بور فير دي. Si j'avais fait une vidéo le samedi, j'étais très énervé contre bien sûr l'arbitrage et la passivité de l'équipe Tana des fois contre surtout la fin du Allah la kuthasab la fin de la première mi-temps après le penalty. Les Algériens étaient déjà dans les vestiaires. Al muhim, on est là pour soutenir, on est là pour critiquer, on est là pour donner notre point de vue sur le match aller et bien sûr les possibilités concernant le match retour. Côté l'aspect positif, à part la défaite, il y a bien sûr c'est on s'attendait minimum au nul et on pouvait facilement gagner. C'est les aléas neuf dans le football l'Afrique. Donc quand c'est géré par la CAF, il y a toujours un souci, il y a toujours un problème. Un arbitre pareil qui je sais même pas comment il a pu voir la main de Belkalem de la position où il était. Le mohim, c'est d'avoir marqué les deux buts. Mathématiquement, Khouti, et j'avais fait un petit comment, Al-Khouna Reda, Haro 007, où il goûte le match pareil, c'est clair. Si tu veux te marquer un but, ou t'es bené le hit. À l'italienne, à l'algérienne, c'est clair et net. C'est que ça va, il faut jouer le match à fond, bak mezruch. Ça veut dire, on aura des occasions, ils auront des occasions, peut-être, mais on aura des occasions. C'est une équipe, les rakouchtou, ils sont pas bêtes, ou tel comme ils sont pas bêtes. Pitroipa, etc. C'est des joueurs, je les avais montré, moi, l'équipe type, l'Idrtav. La vidéo taille d'avant match, c'est presque la même équipe, sauf la blessure d'un joueur de Lyon, le défenseur de Lyon, et les rentrées les remplaçants. Donc Khouti, un 1-0, on passe, un 2-1, on passe, un 3-2, c'est bien sûr les prologues. Le mohim, je suis très très content de la production. Goutel comme la dernière vidéo Tana, goutel comme l'Algérie devait faire ou la meilleure production Tana depuis le début de l'ère Ali Rozic. Mais plus avant, c'était un match offensivement très accompli. Les joueurs algériens ils ont pu marquer deux buts au Burkina, enfin, Burkina Faso. Et c'était des buts, je peux vous dire, le coup de pied arrêté, les marques Medjani. Mais le but, t'as fait rouler, ça a été très bien construit, ils ont pris leur temps, Slimani, intelligemment, il a remis à faire rouler, et voilà l'instinct du technicien, du buteur. C'était comme si c'était un penalty, ou une casseau à contre-pied. Donc, je vais être sportif à 100%, mais dans le football, il faut les résultats. Donc, il faut leur, ils doivent vivre l'enfer. Mais le public doit jouer son rôle. Ça veut dire, ils doivent soutenir l'équipe pendant 90 minutes. L'équipe doit se concentrer sur son sujet. Il y aura des changements, ça c'est sûr. Puisque moi, je pensais qu'il allait faire une équipe plutôt défensive. Mais Ali Lozic il a joué l'offensive. Kitchouf Slimani, Kitchouf Slimani, Soudani, Ferouli. Bon, yebda. Bon, hadi que khallouha f la fin de nkelmou ala la prestation de quelques joueurs. Moi j'avais opté pour le joueur de l'USMA d'Alger. Il y a pas eu le joueur de l'USMA d'Alger, donc il y a eu une paire Mosbah. Moi, Mustapha, j'avais opté pour ça, mais
En arrière droit, j'avais préféré autre joueur. Parce que si un joueur, il veut s'affirmer, etc. Et je pense que le but qu'on a encaissé, les arrêts de jeu à la première mi-temps, était préjudiciable. C'est vrai qu'on s'est remis en question en deuxième mi-temps, mais c'est le but pour moi qui a fait la différence. C'est que tu avais un ascendant moral, c'est que Mboul sort un penalty. Et ça devait se terminer par un match nul. Ça veut dire qu'il restait, il restait 1 minute peut-être, le temps additionnel. C'est ça l'équipe nationale, c'est que des fois il y a un certain égarement, un certain manque de concentration et on prend des buts bêtes. Même le penalty, on sait, on a la défense était en achève. Donc on fait un coup, Haja Khouti. C'est d'essayer de trop bien faire que des fois on dit bouafloche. Maintenant je vais essayer de parler de quelques joueurs, hein, de parler de quelques joueurs. Bon, ça c'est les joueurs suspendus. Pour le retour, Guidiola, il a joué, il est entré à 20 minutes de la fin, il a eu un carton bête qui va le priver. Je pense que Guidiola aurait apporté un très très bon apport, que ce soit dans le match aller ou le match retour. J'ai rien contre Ibda, mais Ibda, s'il est sorti, c'est qu'il avait, il avait plus rien dans les jambes. Ou défenseur Mohamed Kofi, c'est un élément très important l'équipe de Burkina Faso et qui va pas jouer, donc c'est un apport, c'est un apport. Maintenant, on va parler de notre équipe nationale. N'êtes-ce là les joueurs là qui m'ont pas convaincu, mais si je commencerai par Mboulhi, il a rien, pas le troisième, le deuxième but. Il a été surpris, mais c'était Yibda qui avait lâché le défenseur. Et automatiquement, Rifat, il a frappé, il y a de la chance dans le football, c'est rentré. Donc Mboulhi, pour moi, c'est un très bon match. Mostafa, je dirais, en dessous de la moyenne. Mousba, pareil. Mousba, pareil, le but, c'est Belkalem, mais Mousba, pour moi, les coupables, le but à la première mi-temps. Bougra, match correct. Medjani, match très correct. Belkalem, la seule chose que je peux lui reprocher, c'est qu'il est dans les deux pénalties. Zaouja, erreur d'arbitrage ou pas, mais il a pas fait un grand match, Belkalem. Voilà, c'est tout. Yebda, par rapport à son retour, je pense qu'il a bougé en première mi-temps, mais les automatismes, les accélérations et tout, il manque beaucoup de compétition. Taider, chouïa, combatif et tout, comme d'habitude. Conservation de ballon, mais douloureux le ballon. Lahsen, je peux pas le juger, il a joué que 10 de minutes. Ferouli, chapeau, Ferouli, il est sorti, mort de fatigue. Il s'est dépensé partout. Il a été, par exemple, à l'origine de tous les actions. Slimani, Soudani, Barakallahu fikoum. Ça, c'est une paire. Quand tu vois que c'est des joueurs qui ont été formés dans le championnat algérien, il faut être très très content pour ces joueurs-là. Malgré qu'ils n'ont pas marqué, Soudani a été très combatif. On a vraiment besoin de lui en forme. Ou Slimani en deuxième. Il y a la phase deuxième match barrage à Blida. Et le Mohamed Khouti, l'aspect tactique, on n'est pas habilité, je pense, à le. Je pense que c'était, si on voit le résultat, s'il n'y avait pas cette erreur-là, je pense que la tactique adoptée par Alejouzic a surpris plus d'un, par exemple, les supporters algériens. Non, là, c'est la dernière composante, l'écoute des références. L'humidité, la chaleur, l'arbitrage, on jouait pas chez nous et tout. On a tenu tête. Vous allez me dire le Burkina Faso. Non, c'est le Burkina Faso. Ça veut dire l'équipe a dit, elle t'en a marqué 3. Cette équipe-là, elle était finaliste de la Coupe d'Afrique. Donc, ils sont pas bêtes. Et au retour, le jargon du football, il dit que marqué ou bni. Ça veut dire mettre les tâches de foot. Faut faire attention à l'arbitrage au match retour.
faut toujours faire, faut pas se précipiter, c'est quand même but. Tu le marques en première mi-temps, là, tu le marques en deuxième mi-temps, là, tu marques avec les arrêts de jeu, ou là, faut pas se précipiter, faut pas abandonner ses bases, etc. Faut être très concentré, prendre son temps, jouer notre jeu. La vivacité des Algériens a causé beaucoup de problèmes au Burkina Faso. Beaucoup de problèmes. Kabore, il est très technique, tqil. La défense tqila. Les attaquants de Taham n'ont pas reçu beaucoup de ballons, sauf, il faut trouver une solution. Les percussions, t'as que Pitro et pas et tout, que balle au pied, ils sont très dangereux. Ouais, joueur, t'as à Chelsea, je crois qu'il a 18 ans, là. Il nous a fait beaucoup de mal aussi à la fin du match. Donc, le milieu défensif, ou la défense Tana doivent être, j'avais parlé à Nada, ce qui, oui, oui, c'est vrai que Medjani, a joué plus en deuxième libéro. C'était prévisible, hein, dans un match qui m'en a calé le tour, etc. Tu joues, mais tu préserves aussi, il faut, de l'aide pour la défense. Les Burkinabés nous ont causé beaucoup de problèmes. C'était plus des individualités qu'un fond de jeu très clair. Ils sont très techniques. Ce qu'ils savent faire avec un ballon, ils le font. Pitro Epa, il était très en forme, hein. Un chauffeur championnat, parce qu'il va bientôt être prêté ou la vendu au Qatar, hein. C'est le joueur Burkinabé qui m'a le plus impressionné. Nous, le voilà, bon, c'est pas un attaquant, il marque pas beaucoup de buts, il est très physique. Tout le penalty, même le deuxième, il pouvait l'arrêter s'il était resté debout au milieu. Le Mohim, dans l'ensemble, je pense que il y a de la place pour passer. Il y a beaucoup de place pour passer. Maintenant, je voulais comme elle, parce que je fais chalm des youtubeurs, ou je fais la vidéo de Gilou, de Rano, de chalm le واحد, on a parlé à elle. Le cas d'un joueur du Burkina Faso. يتكلموا على هذا الجوار هذا بريجوس ناكولما كي جوك dans un club polonais selon les sites etc. Et voir le bulletin officiel mes amis, c'est le bulletin officiel à la FIFA, le site à la FIFA. Je sais pas parce que dès le début il faut aller voir le site de la FIFA et dans le site de la FIFA. Je vais essayer de vous faire dans 10-15 minutes page FIFA, le match, les cartons jaunes pour ce joueur-là. Sur le site de la FIFA, il n'y a rien de noté. Et moi, c'est ça le qui m'écoule que la base dans les informations. S'il y a disqualification, l'homme redouat sera. Il ne faut pas attendre un mois. Dans le site de la FIFA, je vais vous montrer les cartons jaunes, les cartons rouges, etc. Le fair play, c'est l'indice de fair play. Je vais vous montrer ça. Dans des autres sites, donc il y a un carton jaune qu'il a reçu contre le Gabon. Et un autre face au Niger. Il a été même aligné contre le Togo. Donc je pense qu'il s'il devait être disqualifié, il serait disqualifié déjà. Parce que il a eu deux cartons jaunes ou l'a le match tato. Donc c'est pour ça que moi je ne prends pas en considération ces trucs-là. Si ça arrive, c'est un miracle. Sinon, faudra compter sur ses propres. Résultat, ça veut dire que le 19 novembre, Inch'Allah, à 23h, Fichakar, l'Algérie aura son billet pour le mondial du Brésil. Adam Akan. Sur cela, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul fallahu tout le monde. Assalamu alaikum. Bretrin hayi nas li sqtawaliya ou la. Ranama, j'ai pas beaucoup de temps, je viens pas souvent. Raninji, des fois, je prends les nouvelles des potes, des compatriotes. Skype, pas beaucoup du tout, je viens vraiment pas beaucoup.
بروبليم فاميليال، بروبليم دو سونتي، بروبليم شوف الحمد لله على كل شيء. المهم نتمنوا كاع تكونوا بخير وعلى خير، و ايه لا بروشين ان شاء الله. سلام.